Andico, nous sommes un prestataire de service qui a la particularité d'avoir une mission d'insertion de personnes en situation de handicap dans les métiers de relations clients. Et donc, notre effectif de 400 personnes aujourd'hui est composé à plus de 60% de personnes en situation de handicap. À plus de 60%. D'accord, 240 téléconseillers qui ont un handicap, c'est ça? On est 400 et grosso modo 250 personnes en situation de handicap. Je vais poser une question bête. Le handicap ne peut pas aller jusqu'à ne pas pouvoir parler, être sourd et malentendant. Non, évidemment. Non, mais on pourrait imaginer. Non, mais c'est tout à fait juste. En fait, on est vraiment sur déceler des aptitudes en fait, de la personne à réaliser ce métier. Une des premières aptitudes, c'est avoir une bonne élocution. Donc, évidemment, et malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui intégrer des personnes sourdes et malentendantes dans nos métiers. Et on est plutôt sur des profils de personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle, en fait, parce qu'elles ne peuvent plus exercer leur métier précédent. Ça peut être une ancienne infirmière qui peut porter des malades, ça peut être. C'est souvent un handicap qui est acquis au cours de la vie. L'entreprise se porte bien, je crois qu'elle a fait 20-25% de croissance l'année passée, c'est ça? Oui, c'est ça, on fait 23% de croissance l'année dernière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une singularité sur le marché de la relation client qui est un marché global et mondial. Et nous, on est un petit peu le local, le responsable de l'étape. Le régional, oui. Voilà, le régional de l'étape avec 100% de nos sites basés en France. Et effectivement, l'affirmation aussi d'une logique RSE qui est très recherchée aujourd'hui par les donneurs d'ordre français. Les centres de contact dans l'ICO sont basés où? Je crois à Lyon, le sud Bordeaux. Lyon, Bordeaux, Tours et Chartres. D'accord. Je m'étais laissé dire qu'un nouveau site était en perspective. Oui, on a un projet de création de site à Poitiers. Ça y est, c'est décidé. Alors, c'est décidé quand? On ne sait pas encore tout à fait. Vous attendez les subventions de la région ou vous allez? Non, on n'attend pas les subventions de la région. En fait, on a un modèle, ce qui est sûr, c'est qu'on a un modèle économique aidé, puisqu'on a un agrément de l'État pour maintenir notre mission d'insertion de personnes en situation de handicap. Donc cet agrément, il est régional. Et comme on bénéficie déjà d'un agrément à Bordeaux, on l'a de fait pour une ouverture à Poitiers. Dans les années 2006, quand on a repris cette société avec mon père, la RSE n'était pas vraiment une priorité, on va dire ça comme ça. Et donc il y avait par contre une obligation légale qui était que toute entreprise qui a plus de 20 salariés doit intégrer 6% de personnes en situation de handicap. Si elle ne le fait pas, elle paie une contribution. Donc pendant un certain temps, effectivement, les entreprises qui travaillaient avec nous, c'était plutôt des entreprises qui cherchaient... pour certaines, effectivement, à minorer cette taxe parce qu'elle n'était pas à l'objectif. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit des clients qui ont atteint cet objectif, mais qui, par contre, ont une vraie volonté d'avoir une politique d'achat responsable. Et donc, dans cette lignée d'achat responsable, travailler avec des partenaires qui sont aussi contributeurs d'une société plus inclusive, c'est vraiment dans leurs objectifs. Et je crois qu'on dépasse aujourd'hui vraiment l'enjeu... C'est pas que du greenwashing social. Non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'affirmation, la déclinaison d'une stratégie de nos clients qui veulent s'associer avec des partenaires qui leur ressemblent et qui... Et d'ailleurs, nous, on voit bien aussi que c'est plus facile de travailler avec des clients qui ont des valeurs communes avec vous, et ça paraît assez évident. On a le droit de citer quelques grands clients de Handicall? Oui, on peut. Un client historique, c'est SFR. Ouais. On travaille également avec le groupe Vive, beaucoup. Le groupe Vive dans le domaine de la mutuelle, Harmonie Mutuelle, la MNT également. Dans le domaine de la banque, l'assurance. On travaille avec la Caisse d'épargne notamment. Et de plus en plus dans le domaine de l'énergie, avec Engie, GRDF. Eh bien, Care to Care, alors moi je les ai rencontrés, je crois, ici. Ici, l'année passée, pour la première fois. Donc ça sert d'aller sur les salons. Et c'est vrai qu'on a trouvé très intéressant leur approche, finalement, de transformer un peu la posture du conseiller face à, notamment on était sur des opérations de fidélisation au départ, pour finalement adapter le discours du conseiller aux problématiques du client et aussi adapter le management au profil du conseiller. Donc c'est vraiment deux sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec Care to Care, puisqu'on a démarré sur un périmètre dans la fidélisation dans la téléphonie. Aujourd'hui on va travailler dans la mutuelle aussi, où on voit une évolution du
de la posture en fait du conseiller qui doit passer d'une posture vraiment de service client à une posture où il est capable de rebondir sur des offres de fidélisation, de l'upsell, etc. sans pour autant qu'il perde l'idée qu'il est là pour rendre service à l'adhérent. Et c'est vrai que là, on voit qu'il y a vraiment un travail de culture en fait à faire autour de la posture du collaborateur pour qu'il n'ait pas l'impression de placer du produit, mais que vraiment ça répond en fait à ce dont le client a besoin à certains moments de vie. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui est intéressant. Et puis une autre chose sur laquelle on va travailler avec Care to Care, c'est sur le logiciel. Peut-être là Frédéric, tu peux en dire quelques mots. Oui, alors parce que on va venir après à l'explication de Care to Care. Ce qui va intéresser quelqu'un qui regarde cette vidéo, est-ce que ça a apporté des choses? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce que vous les avez mesurés? On les a mesurés. Il y a toujours des gens qui disent ouais, la formation, il faut sortir les agents, on perd de l'argent. Y a-t-il eu un bénéfice? Ouais. Alors nous, on en a vu deux immédiats. On a identifié en fait deux groupes pour benchmarker les résultats. Le premier résultat, c'est une amélioration des performances commerciales. Ça, voilà, ça se mesure. Hein. On a augmenté les performances de 10 points, je crois, à peu près. C'est pas mal, hein, parce que 10 points, voilà, c'est anodin. Dans un contexte ultra concurrentiel, c'est pas du tout anodin. Et le deuxième point, qui pour nous n'est pas du tout anodin non plus, parce qu'on est vraiment dans une logique de symétrie des attentions, c'est que ça a amélioré la satisfaction du collaborateur qui travaille sur cette opération. Parce que justement, il est dans une posture vraiment de création d'un lien peut-être plus authentique avec le client. Et c'est vraiment ce vers quoi on a envie d'aller. Pour le coup de la formation, on en fait, nous on a un budget formation qui est assez colossal, à la fois en interne et en externe depuis des années, parce qu'on est quand même aussi sur des personnes qui changent de métier, hein, donc qui apprennent un nouveau métier, on accompagne la montée en compétences. La formation, il y a des formations qui changent votre quotidien et puis il y a des formations qu'il faut faire parce qu'il faut les faire. Quoi. Là, on est vraiment sur une formation qui améliore le confort et la performance du conseiller dans ce qu'il fait. Et donc, finalement, l'estime de soi aussi, hein, ça contribue à ça et la fierté qu'on a de son travail. Donc, bénéfice sur la performance et amélioration de l'expérience collaborateur. Exactement. Moi, je pense que le Care to Care, c'est une société qui vous accompagne pour que vos collaborateurs soient dans les meilleures conditions possibles et qu'on assure le meilleur développement de leurs compétences, parce que finalement, on est sur un métier qui est encore sans doute insuffisamment valorisé, mais pour le coup qui nécessite de vraies compétences et de plus en plus, parce qu'on est sur des opérations qui sont de plus en plus complexes en France, hein, les opérations basiques on n'en fait plus, et donc c'est comment on donne les moyens et aux managers d'accompagner le collaborateur pour développer ses compétences et de former les conseillers en fonction des problématiques qu'ils ont adressées. Bilan de la collaboration, il y a un truc qui est très étonnant à Frédéric Zatel, notre cofondateur, c'est qu'on a eu la chance d'interviewer 4 ou 5 de nos clients, ils nous disent tous, il y a un ROI dans l'intervention de Care to Care. Oui. C'est assez rare que les gens parviennent à le voir en formation. En deux mots, qu'est-ce qui vous a amené à créer Care to Care et qu'est-ce que vous retenez de la collaboration avec Andacol? Alors, ce qui m'a amené à créer Care to Care, c'est ma rencontre avec mon associé, Sylvie Clayet, qui est là, Sylvie Clayet qui est là. Elle me dit, qu'est-ce qui m'a amené à créer Care to Care? C'est la rencontre avec cette dame. Voilà. Qui a un savoir que je qualifie exceptionnel, qui a fait toute sa carrière dans le monde des centres d'appel et qui a eu l'opportunité de travailler avec un chercheur en sociologie compréhensive. Et ils se sont intéressés à deux choses, à pourquoi un client va prendre une décision pour un produit, pour un service, c'est-à-dire au chemin de décision. Pourquoi il va dire oui? Pourquoi d'abord il va vous écouter? Et au chemin de décision, et au moment critique de la décision, mais pourquoi j'achète, pourquoi j'écoute, mais aussi pourquoi je viens travailler ici et pas ailleurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des profils de collaborateurs et des motivations profondes. Et aujourd'hui, comme la relation au travail évolue, les méthodes de management vont évoluer. On a créé l'entreprise, j'ai eu la bonne idée de créer l'entreprise 2-3 mois avant la Covid, mais sur une conviction. Et cette conviction, c'est que la manière dont les gens étaient managés depuis 20 ou 30 ans, elle devait évoluer. Et que la Covid, elle est venue fracturer, on va dire, quelque chose qui était en train de se fissurer. Et aujourd'hui, nous, c'est l'engagement, notre baseline. On partage l'humain dans notre baseline avec Andy Cole. Nous, c'est l'engagement humain. Et Anna, je te laisse rappeler ta baseline, s'il te plaît. L'humain fait la différence. Voilà.